Et bonjour à toutes et à tous. On se retrouve sur Tekken 8. On va aller se découvrir le mode histoire. Je ne me souviens plus comment il s'appelle. On avait fait une première vidéo déjà où on avait découvert. Si vous entendez du bruit, c'est parce que j'ai un chat qui est en train de faire ses griffes à côté et qui est coincé maintenant, cette andouille. Oui, allez. Oui, si tu veux, on s'en fout. La dernière fois, on avait fait les quêtes arcades, il me semble, c'est ça qu'on avait fait dans la démo. Donc là, on va faire le réveil des ténèbres. On va découvrir ce mode d'histoire aujourd'hui. Oui, allez. On verra ça plus tard. Activer, peut-être activer. Oui, allez, vas-y, vas-y. Découvrir l'histoire de la saga, Tekken 7. Avec les cinématiques. Non, on s'en fout. On n'a pas le temps aujourd'hui. Oh là 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 là. On va mettre en moyen. Je vais rapprocher le micro. Je me suis calé dans le fond du canapé. Chapitre 1. オペレーションライトニングを開始します。三島平八が消えてから半年、ようやく掴んだチャンスだ。ああ、今日こそ世界の敵を撃つ。全てはあいつにかかっている。頼むぞ風間じ。世界に戦争の種をばらまいた大罪人が今さら何の用だ。三島和也、お前の存在が世界に争いを抜かせ。その戦争を始めたのは貴様だろう。全てデビルの血を根絶するためだ。貴様は自分自身すら否定するか。愚かだ。Je reprends là, juste la musique, elle est folle. La musique est complètement ouf. Le son, il est à fond dans mes oreilles. Par contre, je vais devenir sourd. Il va falloir que je coupe ça parce que. Que je baisse après, parce que sinon vraiment je vais devenir sourd. Mais après, je vous l'ai déjà dit, je suis pas un spécialiste, hein, donc je vais pas vous parler des spécificités du gameplay, ou... surtout pas dans une vidéo découverte. On est sur Xbox Series X, je crois que je l'ai pas dit. Il me semble ne pas l'avoir dit au début. C'est l'Unreal Engine 5. Donc
Bah, c'est plutôt beau, il y a des effets partout. Et c'est 60 FPS, donc ils ont pas rigolé, franchement. Après, c'est des endroits fermés, c'est assez clos et tout. Mais malgré tout, avec les effets et tout, ils ont pas rigolé. Bon, après la cinématique là au début, c'était rigolo. Il envoie la moto dans l'hélico, tout. Ouais, c'est plutôt stylé. Je suis désolé, j'étais un peu concentré, j'écoute la musique et tout en même temps. Mais il va falloir vraiment que je baisse parce que le son il est super fort. J'essaye des trucs en même temps, des combos, des choses. Mais les Mishima, ils veulent jamais claquer. C'est un truc de fou. Là, normalement, ça fait longtemps qu'il n'existe plus. J'avais oublié que lui aussi il avait un démon. Mais cette musique. Oh, je suis en train de me faire éclater là par contre. Hein. Ça marche bien les combos en fait. Hein. Je sais pas trop comment je fais certains trucs là, mais. Je suis en train de me faire fumer par contre. Mais. Vraiment, moi j'adore ce genre de bande son orchestrale et tout comme ça. Vous savez, moi, tout ce qui est métal symphonique et tout, par exemple, j'adore ça. Toi, l'enculé, il reprend sa vie en plus. Il va me fumer. Toi, j'ai appuyé sur RT pour faire ça. Je pense que c'est parce que ma barre de vie elle est presque à la fin, donc vous voyez j'ai le truc enflammé là. Je suis encore un temps de mort, j'entends le vent à l'extérieur. Ah,
Attendez, je vais quand même aller me baisser le son. Admiral, a few city blocks have been lost. The top brass has given us attack orders. C'est inutile. Ignorez ça. Reben, donnez la priorité au sauvetage des survivants. Vous vous montrez finalement tel que vous êtes vraiment. Bon, bah, il a décidé de faire le ménage. Tournoi mondial en plus, il rigole pas le mec.
Bon, je parle pas beaucoup, hein, je vous laisse profiter des cinématiques. C'est un peu grand spectacle, hein, quand même. Pour l'instant, c'est pas mal du tout. Moi, j'aime bien ce genre de mode histoire dans les jeux de combat. Comme dans les Mortal Kombat, ou... Enfin, c'est vraiment... Tu joues à un film interactif, quoi. Mais sur ce type de jeu, ça marche très bien. Encore une fois, la musique est pas mal. Je me suis baissé le son quand même parce que j'avoue, ils ont pas rigolé à ce niveau-là. Et ça pique un peu. Pas envie de finir sur dingue, hein, quand même. Comment ils vont faire le jour où il y aura plus les Mishima, par contre, parce que j'avoue, ça fait 8 épisodes, et encore que c'est pas... Il y a le tag team, il y a eu tout ça aussi, où c'est les Mishima qui se battent, hein. Il y a bien un moment où il y en a un qui va mourir, quand même. Pouvoir imprévisible, chapitre 2. Après, on s'arrêtera là, hein. Allez, on va se battre. Il serait temps. Tiens, déjà, on va commencer par ça. Bon, ça se fait bien, hein. Bon. Je fasse attention parce que lui aussi, il va avoir son truc de furie, là. Et on va lui péter le bras. Sinon, vous, en termes de jeux de combat, lesquels sont vos préférés? Moi, j'avoue, j'adore Mortal Kombat. J'aime beaucoup les Injustice qui reprennent le gameplay de Mortal Kombat. J'aimerais bien Injustice 3 d'ailleurs. Réessayer parce que du coup, comme un con, j'ai perdu. Soul Calibur, j'aimais beaucoup Soul Calibur. Le 2 particulièrement. Que j'avais sur Xbox à l'époque. Mais j'ai l'impression que c'est une série un peu morte. J'aime bien Dead or Alive, malgré le côté un peu beauf, avec les boobs et tout. J'aime bien le jeu. J'étais à partir du 2, je crois, du 2 ou du 3, du 2 il me semble, je les ai tous faits. J'aime bien. Mais il y a une série que j'adorais qui a disparu, c'est Bloody Roar, où on se transformait en animal. Chaque personnage avait un animal. Et je crois que c'était une jauge qu'il fallait remplir
et on se transformait en animal. Quand la jauge était pleine, il me semble que c'était un système comme ça. Et j'adorais, c'était Bloody Roar, je crois que c'était Primal Fury sur GameCube, que j'avais aussi, que j'adorais. Putain, il va encore me... Il va encore me battre. Merde, on va pas rester bloqué là quand même. Ça c'est parce que je discute en même temps, je suis forcément moins concentré. Ça c'est un truc que les gens parfois ont du mal à comprendre. C'est qu'on est moins concentré en vidéo. Après Tekken, bon j'ai grandi avec, forcément j'ai eu le premier à l'époque. Sur PS1. Je comprends qu'il n'ait pas envie. Bon là on sent la japonaiserie, hein. L'humanité, machin, avec la petite musique au piano. Bon, ça c'est typiquement japonais. Et voilà, petite leçon d'amour, de morale. C'est typiquement leur truc ça. デビルの力について調査依頼している有識者とは近々合流予定だ。それとトーナメントを妨害する件だが、アリサを送り込むしかないか。待ってくれ。俺をトーナメントに出場させてくれ。俺のデビルの力を戦いの中窮地に陥った際に発言した。力が蘇るとしたら。 それもまた戦いの中だ。ええ。カズヤ主催のトーナメントだ。G社が仕掛けてくるかもしれん。それでも行くのか。デビルの力は必ず取り戻す。そして次こそは差し違えてでも奴を殺す。 いいだろう。だが予選大会は3日後だ。 Il est chaud, il a envie de se taper. En même temps, je comprends hein, quand t'as envie de tuer quelqu'un parce qu'il le mérite. Bon, ton seul moyen, c'est ça. J'avais dit qu'on s'arrêterait là normalement. Ça va, on est à 28 minutes. Excusez-moi, j'ai tapé dans le micro comme un... Paul, il est toujours là.
expect you to keep your promise now that you beat me. Yeah, I won't let him go unchecked. I'll give Kazuya a nice smack in the face! Whoa! Yeah! Here are the fighters that will move to the main tournament after winning the qualifiers for each region. First up is the European B Block. On va regarder qui participe au tournoi, puis on s'arrêtera là. Lily from Monaco. The final tournament will certainly be one to watch. Lily de Monaco, mais elle s'est battue devant la Tour Eiffel à Paris, bien sûr. It's an impressive lineup of fighters. We'll be looking forward to seeing them in action. These exciting block qualifiers will definitely keep us all watching. 人類よ、戦いに教本しろ。世界を混沌で満たすがいい。 C'est spécial quand même comme façon de penser, hein. Beaucoup. Ouais. Moi j'y vais pour tuer quelqu'un. Donc fais bien attention. C'est bien foutu en tout cas. Warang, bah oui. Allez, il va falloir qu'on se tape et qu'on gagne. Bon, puis après, on va vraiment s'arrêter là, par contre. Et moi aussi, je bourre des gueules. Donc en fait, comme ça, on va bien s'entendre. Ah putain. Effectivement, elle rigole pas. Mais bon, je suis pas trop là pour ça non plus, moi. Hein. Ça serait quand même bien de pas trop chercher la merde, hein. C'est chaud quand même, hein. Ouais, hein. Merde. Oui, il rigole pas, hein. Bah ouais, on a un petit peu l'impression d'avoir vu un fantôme.
Ouais, elle rigole pas quand même, hein. Ah, je vais te fumer à un moment donné, là. Je vais te fumer. Franchement, après, c'est du gameplay Tekken, hein. Mais moi, j'aime bien. Là, on a l'impression de le faire pour quelque chose. Il y a une vraie histoire et tout. Il y a une mise en scène, il y a... Ah, ça y est, le pouvoir, il revient. Et voilà, on l'a fumé. Bon bah on enchaîne, on se déchaîne comme on dirait. Puis après on va arrêter là vraiment pour le coup. Ça fait un moment que je le dis, mais là on va passer la demi-heure, donc on va vraiment s'arrêter. Surtout que là en condition vidéo je suis pas sûr de taper Warang, parce que c'est un perso qui est quand même pas mal fort. Allez, succès déverrouillé, trophée, succès, je sais même plus, non, c'est succès sur la Xbox. Vous voyez, ces trucs, je m'en fous tellement que je sais même plus comment ça s'appelle. Allez. Je viens de te coucher, alors calme-toi quand même avec mes limites, hein. Garde le salopard. Ça va être tendu encore là, hein. Oh merde. Oh merde. Il m'a eu ce con. Il arrive à chaque fois à monter sa garde, le salaud. Et le pouvoir, il va revenir là. Hein. Il est en train de revenir petit à petit. J'ai pas regardé la liste des persos par contre pour vous la donner, combien il y en a et tout. J'ai cru voir que. Genre, et ça faisait polémique parce que Eddie Gordo, par exemple, il est en DLC. Il n'est pas dans le jeu direct. C'est quand même un personnage un peu mythique. Vainqueur du tournoi. Enfin, en tout cas, vainqueur de notre partie du tournoi.
럭키 펀치 같은 걸 맞아버리다니. 아이, 귀찮아. 카자마 진, 넌 기묘한 힘을 가진 것 같은데. 그것도 포함해서 너야. 예. 아, 재미없어. 저런 얼간이한테 지다니. Faut avoir la défaite, hein? D'accord? Faut accepter de perdre, mon pote, hein? T'as perdu, t'as perdu. Bon, allez, stop. On peut mettre pause. On va s'arrêter là pour cette vidéo. Donc je vous remercie, je vous dis à la prochaine, je pense qu'on va refaire un Palworld la prochaine vidéo, on ira essayer de faire le boss de la tour. Je suis en train de me préparer là, je vais me préparer les dernières armes qu'il me faut, et on va aller le tenter comme ça. Donc je vous remercie, je vous dis à la prochaine, salut à toutes et à tous.